À sa sortie, c'est un échec total, tout comme la pièce que nous allons écouter maintenant, Carmen, qui a été totalement incomprise par le public et n'est devenue un succès international qu'à la mort de Bizet. On connaît tous les paroles de la guerre de mon sens. Nous marchons la tête de comme de petits soldats. Par un cœur d'enfant, ces derniers se moquent des cigarières pour avertir les soldats que c'est la fin de la pause. À parler alors, Carmen. Bon, je sais pas vous, moi ça m'a plu. Alors, je vais dire ce qu'on vient de jouer, parce que de toute façon j'ai pas le choix. On vient de jouer un morceau qui s'appelle en fait Finlandia, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Jean Sibelius, dans un contexte ultra répressif, donc un Finlandais qui a froid. Et donc, car la police tsariste n'arrêtait pas de réprimer, de censurer et de supprimer des tas de journaux. Alors notre cher Jean Sibelius s'est dit qu'il allait faire une pièce en 7 tableaux. Les tableaux en musique, c'est comme des actes au théâtre, c'est pareil. Et le 6e, bah, c'est celui qu'on va vous jouer. C'est Finlandia. C'est bien, c'est Finlandia. Ah non, c'est pardon. Pardon. Oui, donc, voilà, donc, voilà. L'histoire de Finlandia. Et c'est l'hymne officieux, Mercalli, c'est l'hymne officieux de la résistance des Finlandais contre les Russes. C'est pour ça que c'est un morceau qui est assez important, en fait. Donc là, oui, on va vous jouer un nouveau morceau qui s'appelle Sevilla, qui est écrit par Isaac Albéniz, un espagnol, qui s'écrit Sevilla, donc, pour lui-même, grand prodige du piano comme moi au violoncelle. Alors, petite remarque, c'est moi qui enseigne à ma prof. Hein. Mais comme moi, notre cher Isaac Albéniz qui a créé Sevilla, il s'est plusieurs fois viré de tous ses conservatoires, Madrid, Paris et Berlin, pour indiscipline. Pourquoi devenir des prodiges sans trop travailler? Donc on vous présente Sevilla. C'est ma fille. Non, c'est ma fille. Bonsoir à tous. Alors, en fait, je vous explique. Le morceau que vous venez d'entendre avant, ça s'appelle Robin Hood. Et ça veut dire littéralement Robin la capuche. Et puis en fait, ben, comme ça voulait rien dire, on a appelé ça Robin des Bois. Voilà. Et alors en fait, je vous explique, Robin des Bois, en fait, c'est un gars, il est trop beau. Ouais, il est vraiment trop trop beau, puis je sais de quoi je parle, je suis sortie avec, ok? Et alors ce gars, il est, bon, non seulement il est trop beau, et puis surtout, il est gentil, il est juste. Enfin, je veux dire, il a un grand cœur, quoi. Ça part de la pointe des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. C'est un truc de fou. Bref. Et donc, du coup, Robin des Bois, avec son grand cœur, il va prendre de l'argent aux pauvres et il le donne aux riches. Non, en fait, il le prend riche et il est dans le pot, mais voilà, sinon c'est pas juste, bref. Et donc, du coup, il fait trop ses bonnes actions et tout, et puis bah, finalement, il a pas été si gentil, quoi, parce que bah, il est parti, bah, il m'a laissé, quoi. Il est parti avec l'autre, là, la belle Maria, là. Enfin, elle est pas belle, elle est moins belle que moi. Bref, et du coup, elle m'a laissé, quoi. Et du coup, moi, bah, je me suis dit, il faut que je me remette en question dans mon moi intérieur, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi, et je me suis tournée vers Jack. Je pense que tout le monde connaît Jack ici, je veux dire, ben, c'est Jack Sparrow, quoi. Et Jack Sparrow... voilà. Oh, mon amour. Bonjour. Bonjour. Oh, oh, magnifique. Bref. Et donc, du coup, Jack Sparrow, eh ben, non seulement il est super beau, encore plus que Robin des Bois, mais en plus, ben, il est méchant dès le départ, en fait. Donc, du coup, ben, on est au courant. Voilà, c'est mieux. Et donc, du coup, bah, Jack Sparrow, bah, c'est un pirate et il habite aux Caraïbes et ça fait bah, pirate des Caraïbes. Voilà. Thank you.
Qui a été écrite par Sergei Rachmaninov et qui sera chantée aujourd'hui par une grande star venue de Pérol, une grande soprano, mademoiselle Marie-Agnès Caron. La pièce suivante s'intitule Chaperon, reprenant le nom d'une forme musicale baroque. Vous remarquerez la forme rigoureuse de l'écriture de cette pièce, basée sur une ligne de basse obstinée, c'est-à-dire répétée plusieurs fois. Plus particulièrement, le thème se balade, se promène, batifole de pupitre en pupitre, au travers de tout l'orchestre, et c'est ce que vous pourrez constater tout de suite avec Cachon, Saperlotte, Chaperon de William Offert. Bonsoir. Donc, ce n'est pas moi qui devais vous présenter le prochain morceau, mais on m'a demandé de le faire. Alors, je vais vous interpréter un concerto en do majeur de Patrick Sébastien. Le prochain morceau que nous allons vous interpréter s'intitule « Première gynopédie » et a été écrit par Eric Satie. Au départ, le morceau est fait pour piano, mais comme vous le voyez, nous n'avons pas de piano, donc nous l'avons arrangé pour orchestre. Et l'arrangeur de ce morceau n'est autre que le majestueux, le merveilleux, le fabuleux, le magnifique, le monstrueux, le magnifique Lionel Giraud. Il a épuisé son forfait de discours, nous on va épuiser notre forfait de musique. Et en fait, on a préparé un petit morceau pour remercier Lionel, parce que sans lui, on serait pas là. Donc, on voulait le remercier et on lui a préparé un petit morceau. Et pour Daniel aussi et tout le bureau qui a aidé à reformer l'orchestre cette année. Et du coup, soyez un petit peu indulgents avec nous, parce que comme Lionel il est toujours là, on n'a pas pu répéter sans qu'il soit là. Et comme c'est lui qui réécrit nos partitions, c'est nous qui l'avons réécrite aussi. Donc soyez indulgents, merci. Chef d'orchestre.
circonstances. Eh bien, du pays du Gamelin, écoutez donc cette air martiale. Nous venons de vous interpréter un morceau de Rami Djouadi, Game of Thrones. Oui, c'est bon. Un dessin animé ou des choses combat. Alors non, ça c'est le Zadok. Game of Thrones, c'est une série diffusée sur HBO, une série américaine. Elle est interdite aux moins de 18 ans. Moi spécialement, j'en ai 32, je sais, je les fais pas. Alors, il y a des châteaux forts, des monstres de glace, des dragons, des filles de joie, n'est-ce pas Maxime? Et surtout, il y a Ned Stark qui meurt à la fin de la saison 1. Non, j'ai toujours pas vu. Bref, maintenant passons à King Kong. Bande originale tirée du film qui met en scène Geoffrey, notre percussionniste. Elle a été composée par mon ami James Newton Howard. James Newton Howard. Oui, et c'est la pièce que nous allons jouer. Donc accrochez-vous bien, car Go Kong ou King Frey, appelez-le comme vous voulez, mort. Une pièce de Luc Marty, spécialement composée pour notre orchestre, est très comparable à certaines de musiques de films, comme James Bond, au hasard. Ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence. Vous le reconnaîtrez facilement, puisqu'il porte un manteau de fourrure et des cheveux roses. Et techniquement, le t-shirt aux ados. Je vous laisse, nous allons poursuivre. Vous venez d'entendre un classique de Hans Zimmer, The Rock. Tout d'abord, désolé pour la déception de ceux qui s'attendaient à danser. Danse, rock, on passe à autre chose. Donc c'est tiré d'un vieux film. Apparemment, ça parle d'un rocher ou d'un caillou, mais on sait pas trop, on n'a pas pu le voir. Pour des raisons techniques, j'ai entendu parler de restrictions budgétaires, je sais pas trop. Maintenant, on va laisser les cuivres s'amuser sur In the Mood. C'est pareil, c'est jaune. À la base, écrit par Glenn Miller pour une fanfare. Et comme on était là, ils nous ont rajouté 3 rondes pour nous faire plaisir. Du coup, je vous laisse. Moi, j'ai une partie de tabou à finir avec les altistes. Bonsoir. Je pense qu'il est temps de vous présenter les professeurs qui nous ont aidés à jouer ce concert. Donc, nous allons commencer par le fond. Les percussions. Romain Baudry. Pour les cuivres. Philippe Castel. Pour les bois. Serge Rocamora. Pour les violoncelles. Janice Renaud. Pour les altos, 3, 4. Blandine Moreau. Et enfin pour les violons. Véronique Biliou. Pour
Pour monter ces 6 concerts, nous avons eu une semaine de stage, nous avons répété tous les jours. Et nous avons été bien sûr accompagnés par notre directeur de séjour. Nous avons aussi été accompagnés par 4 animateurs. Thibaut. Nicolas. Et les inséparables Isa et Maë. Celui qui est toujours devant nous, que nous voyons tout le temps, et qui pour l'instant est derrière le rideau. Le magnifique, le fabuleux, l'extraordinaire, Lionel Giroud! Star américaine.